Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un tout nouveau bonus du Ozaki Show. Et oui, aujourd'hui, petit One Life des plus sympathiques, puisqu'en effet, aujourd'hui, on va parler un petit peu encore une nouvelle fois de Master System sur cette chaîne, avec un One Life qu'il y a certaines personnes qui me l'ont réclamé. Aujourd'hui, nous allons faire le One Life de Renegade sur Master System. Un titre pas piqué des hannetons que j'ai malheureusement pas dans ma ludothèque, dommage. C'est un titre qui est aussi pas piqué des hannetons et qui est un sacré beat'em up assez connu que beaucoup de personnes ont joué en arcade. Là, on va y jouer sur Master System, un titre que j'avais déjà proposé lors du fameux challenge. Je me souviens, j'avais fait mon kéké, je vous avais dit même « Je vais vous le finir en vie, vous allez voir, c'est trop facile !» Évidemment, qui fait le malin quand on tombe dans le ravin, vous pouvez me dire déjà « chez » aussi dans les commentaires encore une fois, mais effectivement, je m'étais complètement planté pendant le Master System challenge. J'étais mort vers la fin et je me suis dit « Putain !» Il faut vraiment que je fasse ma vidéo, il faut vraiment que je vous explique comment terminer ce jeu en une seule vie. Et franchement, vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils un petit peu pour terminer ce titre d'anthologie que certaines personnes m'ont dit qui était assez compliqué. En vrai, c'est peut-être le jeu plus facile sur la Master System que j'ai joué, mais bon, vous allez voir que concrètement, le jeu n'est pas très compliqué. Une fois qu'on connaît toutes les astuces, le jeu, en ligne droite, ça se fait même pas en 15 minutes. Bref, je pense que là, certaines personnes doivent se dire « Putain, Ozaki, il fait son malin, il fait son kéké encore une fois, mais il va perdre !» Vous allez voir, je vais vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces. On va rentrer tout de suite dans le sujet. Bref, il est l'heure de faire ensemble le One Life de Renegade sur Master System. Bref, c'est parti! Et nous sommes donc partis pour ce petit commentaire de One Life sur Renegade Master System, un titre incontournable que j'ai essayer de terminer en One Life en direct. Malheureusement, je me suis foiré vers la fin, mais aujourd'hui, vous allez voir que je vais vous montrer du beau jeu, je vais vous expliquer un petit peu comment terminer ce dit titre qui est, ma foi, des plus sympathiques. Un jeu exclusif européen, hein, qui plus est, qui n'est jamais sorti sur Game Gear. Clairement, c'est une petite bizarrerie de la machine, et un titre qui reste quand même vraiment cool. C'est un jeu que j'ai pas dans ma ludothèque, malheureusement, je voudrais bien l'avoir. Voilà, le jeu je le connais plutôt bien, et aujourd'hui, vous allez voir que le titre n'est pas si compliqué que cela. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, il était quand même assez chaud ». Clairement pas. Clairement pas, alors je vais jouer en level 1. Alors, level 2 et level 3, ils sont un tout petit peu différents vers la fin, mais ça va pas chercher bien loin, et on est quand même parti pour le jeu. Alors, Renegade, c'est un titre qui se joue comme les Kunio-kun. Ça se joue aussi à la façon Double Dragon, hein, donc littéralement il y a un bouton pour taper en avant, un bouton pour taper en arrière. On a quelques combinaisons de touches pour faire des coups de pied sautés. Est-ce que j'en fais un? Non, je me souviens, je sais que je vais en faire. Là, j'en ai fait un. Voilà. C'est appuyer sur les deux boutons en même temps, clairement, c'est tout facile à faire. La première astuce que je peux vous donner vis-à-vis du jeu, c'est vraiment avoir les priorités sur les ennemis, donc vraiment, c'est les gérer un à un et ne pas être un peu trop gourmand en essayant de taper plein d'ennemis en même temps. Non, essayez vraiment de gérer ennemi après ennemi, et là, tranquillou, vous voyez que on les tue assez facilement. Une autre petite astuce pour pouvoir vaincre facilement les ennemis, on se met dans un coin et puis, et ben voilà. Les gars avec les barres de fer et tout, faut faire juste des coups de pied sautés, et voilà. Ils sont morts en 2-2, en 2-2. Hop, là vous voyez que je les enchaîne. Il peut avoir que seulement 3 ennemis à l'écran, donc concrètement, vous pouvez y aller tranquille dans le coin, vous les tapez, ça va tranquille de chez tranquille. Donc encore une fois, les mecs avec des barres de fer, coup de pied sauté, ça marche nickel. On les bute en quelques instants, hein. Et voilà, hop, on les a couchés et on va sortir de la rame de métro pour aller battre le premier boss. Alors, on va maintenant utiliser une technique que j'aime beaucoup, le point de Pégase, évidemment, en référence à Senseiya. Donc, double tapis deux fois sur le bouton de direction, plus le point, et ça va te faire un coup de poing. Alors là, vous l'avez vu, le boss, je l'ai dégommé comme pas possible, surtout que j'ai sorti du terrain, parce que oui, effectivement, Kunio-kun ou Renegade, clairement c'était ça, hein. Je veux dire, tu peux sortir tes adversaires du terrain. Là je pourrais le faire avec le mec à la barre de fer, mais je le fais pas parce que bon, je joue safe. Là voilà, je fais un peu de la merde. Encore une fois, les priorités, vous voyez que c'est très important les priorités pour pas faire n'importe quoi. Là je me dis bon, on va jouer safe, on est là en One Life, donc on va vous montrer un petit peu, encore une fois, que l'astuce marche. Quand vraiment vous êtes en difficulté, moi je vous recommande beaucoup de vous mettre dans un coin et faire l'astuce là. Allez, à 80%, vous êtes sûr et certain de vous
vous limitez la casse, on va dire. Clairement, là, tu vois que... bon, on les bute facilement, on les tape un peu à droite à gauche. Hop, là, il me couche. Mais bon, ça fait rien, là, je peux tranquillou les battre. Il y en a toujours deux qui te foncent dessus, mais il y en a un qui va attendre sur le côté. Donc là, voilà. Pas très compliqué, hein, clairement. T'as le temps de gérer, là. Donc les motos, faut juste faire des coups de pied sautés au bon moment sur... les mecs, donc j'essaye de bien faire les choses. Mettez-vous toujours sur la droite de l'écran, donc vraiment près du hangar. Si tu te mets du côté du quai, il n'y aura pas le trigger qui va s'activer, donc il faut vraiment être près du hangar. Et hop, je peux aller choper une moto et maintenant on va être sur l'autoroute. Alors là, le passage là, il est un peu particulier, j'ai pas trop compris comment je faisais pour les battre. La hitbox... et visiblement à leur cul, donc moi je les tape, tu sais, au milieu de la moto, comme là je fais, là clairement, j'essaye de les toucher, hop, et ils dégagent. Alors, tu peux faire des ronds comme ça, essayer de le toucher et tout, il y a des moments ça marche pas, il y a des moments ça marche. C'est encore une fois, c'est très bizarre comme parcours, bon. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Faut vraiment persévérer, vraiment faire des tours. Parce que si tu restes sur le mec vraiment pendant longtemps, évidemment tu vas te faire dégommer, hein, bien entendu. Donc là j'ai pris un petit S pour une invincibilité qui me sert à rien concrètement pour un ennemi. Et là on va refaire le fameux coup de Pégase. On attend qu'il ait un genou par terre. Et voilà, hop, on continue le point de Pégase pour le dégommer. Il me fait beaucoup penser à un ennemi dans Hokuto no Ken, je sais pas pourquoi. Là il va faire bobo, hein, quand même. Donc hop, on évite tout, on continue avec le point de Pégase. Je crois que c'est dans les tout premiers méchants de Hokuto no Ken, t'as le fameux Zid évidemment de la série. Mais voilà, dès qu'il, vous le avez compris, hein, dès qu'il a un genou à terre direct, on peut lui foncer dessus et on peut le niquer facilement. Et voilà, le boss en 2-2, il est vaincu. Ah ouais, ce qui paraît, le jeu est compliqué, hein. MDR. Allez, voilà. Donc les chinoises maintenant sont faciles, même si je sais que ce passage là j'avais fait un peu de la merde. Donc là hop, on tape tranquillou, hein, c'est pas très compliqué concrètement, mais juste encore une fois les priorités, faire attention aux ennemis qui ont des barres de fer, je pense que c'est pas des fouets. C'est des chaînes de moto, donc on évite un petit peu ces personnages-là. Encore une fois, les priorités. C'est vraiment important, les priorités. Là, n'hésitez pas aussi à faire des coups de pied. Dès que vous voyez que le personnage est un peu à bonne distance, vous pouvez directement lui donner des coups de pied. Au moins, vous êtes sûr et certain que vous allez pouvoir la toucher et la battre facilement. Encore une fois, clairement, le jeu pas spécialement compliqué, c'est juste... avoir froid aux yeux, ne pas faire n'importe quoi et vraiment avoir un bon sens des priorités, encore une fois. Encore une fois. Donc là, je fais n'importe quoi. Là, au niveau du One Life, j'étais. Je vais perdre. Non, là, c'est bon. Je sais que je vais réussir à la battre. Voilà, regardez, j'avais plus beaucoup de vie là. C'était un peu la misère, mais bon, c'est que je l'ai quand même battu. Et là, je vais pouvoir rentrer dans le bar, évidemment. Je vais pouvoir avoir toute ma vie, parce que dès que tu passes un niveau, tu récupères toute ta vie, et là, bah, je vais me mettre au niveau de la plante, et je vais le dégommer, hein. On va tout dégommer, les jeunes demoiselles qui essayent de m'illuminer avec des chaînes de moto. Donc, voilà, quelques coups de poing, quelques coups de pied, rien de bien folichon, hein, concrètement. On remarquera que le jeu est quand même très joli, hein. Franchement, on est en 93 pour un petit jeu Master System, honorable, franchement honorable. Surtout que, encore une fois, c'est une exclusivité, quoi, je me dis putain, quoi. Et il est très différent par rapport à la version Nintendo, parce que, effectivement, le jeu est sorti aussi sur Nintendo en quelques années auparavant, et le jeu est beaucoup moins joli que ça, concrètement. Et même aussi un petit peu moins fun, je trouve, au niveau des contrôles, mais bon. Allez, alors, est-ce que c'est le côté fanboy de la Master System qui parle? Très certainement. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce petit Renegade. C'est dommage que je l'ai pas dans ma ludothèque. Franchement, faudrait qu'un jour, je l'achète quand même. Parce que bon, on sait le terminer en One Life, mais on l'a pas quand même. C'est un peu la loose, mais enfin, voilà. Niveau terminé, on va arriver déjà au dernier niveau du jeu. Parce que on va tellement vite, et là... pas très compliqué, toujours des connards à éliminer, hop, on leur donne des coups de poing, on les couche tranquillou.
Vous remarquerez qu'on a, on a pas du tout de, d'item pour vaincre les ennemis, c'est vraiment nos points et nos coups de pied qui sont le plus utiles. Donc là, clairement, je me fais un peu bolos, mais bon, tranquillou, hein, tranquillou, encore une fois, pour les dégommes. Donc là, j'utilise mes coups de pied pour le battre tranquillou, donc je les tiens à distance, hein, vraiment. Vous voyez que le jeu, là, les hitbox sont un peu pétés quand même, sont effectivement... Mais voilà, vous voyez que... Aussi d'ailleurs qu'il y a eu deux ennemis sur moi et il y en a le troisième et est parti, n'est pas venu directement m'affronter. Encore une fois, le jeu a été conçu comme ça, quand, c'est plutôt cocasse. Hein, alors je sais pas si c'est un défaut de programmation, je pense pas. Je pense que le jeu a été vraiment pensé comme ça, même si bon... Ça manque de piquant quand même par moment, ça manque de piquant là, je m'en sors bien, mais je m'en sors quand même plutôt bien, hein, vous voyez que... Les coups de pied sautés, c'est vraiment efficace. Et avec ça, littéralement, quasiment tous les ennemis se font dégommer très facilement. Et voilà, là, je suis en train d'éliminer le dernier qui est en train de souffrir. Et je vais rentrer dans la villa. Donc c'est parti. La petite astuce, on se met tout en bas à droite. Et maintenant, coups de pied sautés en essayant de vraiment cumuler les deux pour économiser un maximum de coups, hein, mine de rien. C'est chiant, hein, d'appuyer deux fois sur les deux boutons en même temps, c'est... Faut vraiment avoir le bon timing, surtout que... on connaît la manette de Master System, c'est pas la manette la plus idéale pour ce genre de jeu, mais bon. Ça passe quand même, ça marche bien. Là, hop, je vais à droite. C'est un labyrinthe, concrètement, donc... c'est pas très compliqué, hein. Tu peux galérer pendant des heures si tu connais pas le passage du labyrinthe, mais... Voilà, là je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc on va encore une nouvelle fois à droite. Là on va avoir deux fois le premier boss que vous n'avez quasiment pas vu parce que j'étais assez vite. Et là hop, je peux enchaîner les boss. Donc dès qu'ils ont un genou par terre, c'est bon, tu peux taper dessus. Avec le point de Pégase. Donc je rappelle le point de Pégase. Deux fois une direction et le coup de poing. Donc je mettrai peut-être un petit encart pour expliquer correctement. Voilà, concrètement, c'est pas excessivement compliqué, on les dégomme plutôt facilement. Donc voilà, un en moins, et le deuxième, s'il veut bien me mourir, voilà. Et là, maintenant, on va au milieu pour aller battre deux Zid. Alors là, c'est un peu plus chaud, parce que si vous avez suivi le live, c'est là où moi, je me suis complètement foiré, parce que je me suis dit, ah, vas-y, je vais essayer de les empiler comme ça. Et je me suis complètement foiré. C'est complètement con, là je me foire un peu, mais on s'en sort plutôt bien, donc on essaye de les éliminer tranquillement avec le point de Pégase. Hop, je les tiens à distance, j'essaye vraiment qu'ils soient pas côte à côte, parce que évidemment je peux en toucher un et l'autre derrière va me pourrir, donc on va essayer d'esquiver un petit peu les mouvements. Hop, donc là je me suis complètement foiré, j'ai voulu les compiler tous les deux, mais bon, c'est pas passé, donc encore une fois là... Les tenir à distance et se barrer le plus vite possible. Donc là, je me fais vraiment pourrir. Vraiment pourrir. On évite tout. Le point de Pégase, surtout qu'ils sont compilés. Donc là, hop, j'arrive à bien les avoir. Surtout que là, ils sont vraiment superposés. Donc c'est vraiment nickel. On les bat plutôt facilement. Et un petit dernier coup, hop, c'est bon. Et maintenant, on prend la porte de gauche. Le boss final. Ouh! Oh, le boss final, alors! Oh. Est-ce que je vous ai dit qu'il fallait utiliser le point de Pégase sur les boss? Ah là là! Qu'est-ce que c'est compliqué! Oh là là! Il est vraiment méchant comme boss! C'est vraiment compliqué, franchement! Mais voilà, le point de Pégase l'a dégommé, et voilà. Renegade sur Master System, terminé en 12 minutes. Mais quelle indignité! Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui m'ont dit « Ouais, le jeu, il est dur, tu vas en chier pour le terminer. » Bah voilà. voilà, le jeu est pas spécialement dur, hein, franchement. Avec toutes les astuces que j'ai pu vous donner, vous avez compris que il faut vraiment avoir des priorités au niveau des ennemis, garder ses distances vis-à-vis de certains boss, le point de Pégase, très 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 important. Si vraiment vous galérez comme pas possible, se mettre dans un petit coin, attendre que les ennemis arrivent, on fait des petits sauts, des petits coups, et voilà, ça passe nickel. Et voilà, hein. Renegade terminé, un titre mémorable et franchement cool. Alors, dommage qu'il soit aussi court, mais bon, Renegade était déjà comme ça à l'époque. Ça reste quand même un titre incontournable, je trouve, de la Master System. Franchement, un très très bon petit beat'em up qui mérite vraiment le détour. Et franchement, bah voilà, j'espère beaucoup vous avoir convaincu d'y jouer, surtout.
et pourquoi pas carrément vous lancer dans ce petit One Life. Encore une fois, au niveau des difficultés, le niveau 2 et 3, c'est qu'ils sont identiques. Il y a peut-être un peu plus d'ennemis, mais ça va pas chercher bien loin concrètement. Tu les bats plutôt facilement. C'est surtout à la fin, au labyrinthe, qui est un petit peu différent, mais ça va pas chercher bien loin concrètement. Dès que tu connais un petit peu le chemin, c'est bon quoi. Le jeu, tu le finis tranquillou. Et clairement, ça reste un titre vraiment cool à essayer. Enfin voilà. J'espère beaucoup que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager les vidéos, vous avez l'habitude maintenant. N'hésitez pas à aller voir les playlists, il y a énormément de petites vidéos à droite à gauche, notamment d'autres One Life pour terminer, d'autres titres fantastiques de la Master System. N'hésitez pas aussi à devenir mon gros sponsor, pourquoi pas carrément faire une petite donation à la chaîne. Et en tout cas, j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos, pour de prochains lives. Et d'ici là, jouez bien, et sur ce, à très bientôt les nostalgiques. Allez, à plus.